Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, je sais, là, on va faire un bond, pas vraiment autre que l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est bien, on en a parlé. Maintenant, il faut qu'on revienne dans la vente, parce que la vente, c'est également une chose qui va vous aider dans l'immobilier. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble cette série de 10 vidéos. Donc, la première aujourd'hui, eh bien, les 10 étapes à respecter lorsque vous faites un appel à froid. C'est lorsque vous appelez une personne que vous ne connaissez pas. La première chose, c'est d'être honnête et d'être transparent. De dire à la personne pourquoi vous l'appelez. Ne dites pas, ouais, je vous appelle, je veux pas vous vendre quelque chose. Mais non, vous voulez vendre quelque chose, c'est ça votre but. Votre but, c'est de rencontrer cette personne et lui vendre cette chose. Donc, soyez transparent, soyez honnête. Dites, mon but aujourd'hui, bah, c'est de mettre en place un rendez-vous pour que je puisse vous présenter ce que je peux faire pour vous. Comme ça, eh bien, vous allez voir qu'est-ce que vous allez obtenir et comment je peux vous aider avec cette stratégie. Voilà, soyez transparent, soyez honnête. Pas besoin de cacher rien à votre client.